choupette, hein. Mes amis, aujourd'hui on va faire, coucou mes choubidous d'amour, aujourd'hui on va faire un DIY. Alors un DIY, en fait, c'est tout simplement, on va faire un calendrier de l'Avent, assez rapide. Il nous faut de la toile de jute avec ho ho ho, que j'ai acheté à Action, j'ai payé 70 centimes. Il nous faut des petits, bon vous avez des brochures, hein, mais bon voilà, moi je les voulais rouges. Il nous faut des sachets d'organza, moi j'en ai pris 6, mais bon ça fait des bonnes petites pochettes comme ceci. Toute mignonne, mais comme bah, c'est pour un calendrier de l'Avent, ce qui est embêtant, c'est que il faut vraiment que ça ne se voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc moi j'ai pris de la toile de jute que j'ai coupée de façon, vous regardez, de façon à ce que ça rentre bien dans le petit pochon, voilà. Et là vous mettez votre petit cadeau à l'intérieur et vous fermez, d'accord. Maintenant il va falloir les fixer. Alors ce qu'on va faire, on va, c'est rapide, hein, vous allez voir, enfin c'est rapide, l'explication ira être rapide. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement faire très attention de ne pas couper le ruban. Ici, là, voilà, ah ben c'est déjà fait. Voilà, alors je vais en faire un qui n'est pas fait. Voilà. Vous allez, parce qu'il faut savoir que je l'ai fait plusieurs fois, mais Ivy, a... mon petit chaton, a fait plein de bêtises. Donc, du coup, peut-être je vous mettrai... comme ça, un petit peu la vidéo, vite fait, pour montrer les dégâts qu'elle a fait. Voilà, donc je suis obligée de changer de place. Donc, on a ceci. Maintenant, ce qu'on va faire... Vous voyez, là, je peux laisser libre cours au ruban sans qu'elle me saute dessus. Alors, vous pouvez le faire avec du ruban vert. Hein, c'est parfait avec le ruban vert. Mais moi, je le fais pour une de mes amies que j'adore, Pinkette. Et elle adore le violet, donc je lui fais en violet. Alors, hop. Voilà, voilà. Parce que pour le coup, hein. Après, vous mettez les couleurs que vous voulez. Hein. Voilà, vous voyez, regardez, j'ai fait un petit trou. Alors, je n'oublie pas de mettre mon petit paquet comme ça. Et là, maintenant, je glisse dedans. Je glisse. Voilà, vous voyez, je glisse, ni vu ni connu. Regardez, je glisse le ho ho ho. Et je mets, et je serre. Et je mettrai le petit cadeau dedans. Auparavant, mais Ivy m'a fait des dégâts monstrueux. Elle a failli s'étouffer avec un petit bout comme ça. Regardez, un minuscule, hein, je l'avais coupé. Donc du coup, bon ben on se retrouve pour la fin. D'accord ? Dire que c'est pire qu'un enfant. Vous voyez, regardez le saccage qu'elle m'a fait. Le problème, c'est que je la fais venir, c'est une catastrophe. Tu es sage. Ivy, arrête tes bêtises! Donne-moi le fil! Comment voulez-vous que je fasse avec une perdeuse comme ça? Arrête, Ivy! Arrête! C'est fini. Alors, j'ai mis des numéros, mais il m'en manque. Alors, il faudrait que je reprenne des numéros, que j'en retrouve, des petits numéros dorés. Je ne sais pas si je vais en retrouver. Voilà. Donc. Il y a des petites choses dedans, des rouges à lèvres, enfin, il y a plein de trucs, voilà. J'espère qu'il y en a 24, on va compter ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vous avez vu les petites pampilles, hein, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dame Ned, c'est quoi ce délire? J'en avais 4 paquets de 6, ça fait 24. Allez, on recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, allez les pampilles, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, oh, il m'en manque deux. Bon ben, je vais continuer, il m'en manque deux, j'avais pas vu. Ah, au secours, il y a mon chat là, là c'est une catastrophe, elle, regardez, elle voit la pampille là, regardez, non, j'ai dit non.
Elle est dure. Hein. Voilà, ben, mon DIY est fini. Vous voyez, là, il y a plein de petites choses dedans. Je vais voir parce que je pense que j'en avais 24. Alors, je ne comprends pas pourquoi il m'en manquerait deux. Voilà, mes amis, si ma vidéo vous a plu, un petit pouce. Si elle ne vous plaît pas, ne faites rien. Ne dites rien. Et abonnez-vous et actionnez la petite cloche. Bisous, je vous aime. Bye bye. Là. Et là, vous voyez, je vais prendre ceci. Donc, je suis comme ceci. Je reprends de la pâte à fixe. Un tout petit peu, hein, parce que c'est pas la peine de. Voilà, je fais ça comme ceci. Alors, bon, vous pouvez couper en plus sympa. Moi, c'est comme ça. Voilà. Donc, ça fait ceci. Et là, maintenant, je vais prendre ceci. Gros, et je reprends ma pâte à fixe. Alors, je reprends ma pâte à fixe. Là, je vais mettre. Vous mettez les couleurs que vous voulez, hein. Même vert, rouge, vous pouvez faire. C'est mon premier DIY. Est-ce que vous entendez? C'est mon chat, ma fille, mon petit chaton là qui a 3 mois. Voilà, et voilà. Et voilà. Et puis là, après, bah là, je vais mettre. Il y avait un petit truc d'action. Bon, c'est pas du tout ce que j'attends, hein, mais bon, c'est pas grave, j'ai pas eu ma commande encore. Mais voilà, je vais faire ça comme ceci. Je vais le mettre ici. Voilà. Et là, il y a un petit paquet. Alors maintenant, il faut que je trouve les numéros pour mettre les numéros. Alors ça, c'est pas gagné, hein. Mais voyez ce que ça donne? Oh. Voilà, avec le ruban violet. Je vais continuer. Je vais peut-être pas vous faire. Voilà, celui-là, il était fait. Vous voyez, mais j'ai pas mis le cadeau encore dedans. Là, on va faire. Hein, alors, et voilà. Donc là, ma pâte à fixe. Mais c'est du boulot en fait. En fait, je pensais que c'était rapide, mais c'est loin d'être rapide. Hein, c'est waouh. Mais bon, c'est fait avec le cœur et avec l'amour, c'est ce qui compte. Voilà. Et donc là, je reprends mes petits pierres. Je vais les mettre là. J'espère juste que mon chat va pas venir parce que sinon c'est une cata. Voilà, comme ceci. Maintenant je mets ma pochette. J'ai donc ce côté-là et que je vais mettre dedans. Voyez, je vais mettre un petit cadeau. Donc, eh bien, nous allons mettre un petit vernis. Hop, violet bien sûr. Hein. Le thème moi pour moi c'est violet. Hein. Et voilà. Alors c'est mon chat qui va me faire des dégâts. Alors j'ai mis des numéros, mais il m'en manque, alors il faudrait que je reprenne des numéros, que j'en retrouve, des petits numéros dorés. Je ne sais pas si je vais en retrouver. Voilà, donc il y a des petites choses dedans, des rouges à lèvres, enfin, il y a plein de trucs. Voilà. J'espère qu'il y en a 24. On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. Vous avez vu les petites pampilles, hein? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dame Ned, c'est quoi ce délire? J'en avais 4 paquets de 6, ça fait 24. Allez, on recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, allez les pampilles, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il me manque deux. Bon, je vais continuer. Il m'en manque deux. J'avais pas vu. Ah, au secours, il y a mon chat là. C'est une catastrophe. Elle, regardez. Elle voit la pampille là. Regardez. Non, j'ai dit non. Elle est dure. Hein. Voilà, mon DIY est fini. Vous voyez, là, il y a plein de petites choses dedans. Je vais voir parce que je pense que j'en avais 24. Alors, je comprends pas pourquoi il m'en manquerait deux. Voilà, mes amis, si ma vidéo vous a plu, un petit pouce. Si elle ne vous plaît pas. Ne faites rien, ne dites rien. Et abonnez-vous et actionnez la petite cloche. Bisous, je vous aime. Bye bye.